Bonjour, bonjour à tous, me revoilà en compagnie dans le serveur PVP, de Dario, de Killeuse et de l'autre PVP, Dario. Salut. Bonne promenade, on tire un peu de travail. Seb, j'ai plus de viande. Non, là, il faut que j'en ai là, parce que je reviens, il faut que j'aille. Je reviens. Le petit coup de tir. Dario, j'ai un T-Rex qui a bugué. Il s'est bloqué contre une cam, contre un caillou, je n'ai même plus accès à son inventaire. Et bon, je suis revenu. Il suit un peu dans tous les sens, sinon essaye de casser le caillou, mais sans. Sans tuer le T-Rex. Ah, du coup, là, je peux plus nourrir les gars parce que j'ai plus de viande. Monte dans le frigo en dessus. Il y a un frigo avec plein de viande normale. Tu peux prendre la viande normale. Ok. Quand j'étais dans l'eau, j'ai traversé dans l'eau pour aller de l'autre côté. Elle a bugué contre un caillou. Elle a pas voulu. Ah. Et je peux leur mettre la viande de poisson ou pas? Prends dans l'autre frigo, il y a plein de viande normale. Tu peux prendre la viande normale. Peut-être c'est le frigo d'à côté. Il y en a un avec un peu un mélange, mais il y a beaucoup, beaucoup de viande normale. Voilà, c'est bon. Buddy joined your channel. Salut à tous. Salut. Vraiment petit Dario. Ben oui, et puis toi? On est pas trop déçu? La bande est arrivée trop tard. Mais c'est pas grave. C'est qu'il m'avait déjà, on m'avait déjà sauvé la moitié des belles. Aujourd'hui ou demain? Ouais, ça aussi. Demain? Oui, après-demain. Après-demain? Après-demain.
Trinité, oui. Assassin. Ah, vous êtes un assassin. C'est quand même un assassin. Oh. Là, vous voulez faire malin, c'est bon. Le pauvre Balou, il sort avec un arbalète. Qu'est-ce qu'il sort, c'est lui, il sort un lance-roquette. C'est la bonne. Ah bah, à la mesure de l'égalité et d'agressivité d'un Balou, qui sort avec son arbalète pour le tuer, là, je suis en train de. Oh, il y a un bébé, il bouge. Ah, le bébé, il a bougé tout seul. Regarde le bébé, là. Allez. Oh, bébé. Il a juste le main. Ouais. À demain, ça va être. Le bébé, il part. Oh, ça fait mal de chitine et de perles, du silice. De manger les triops avec le bête, ouais. Le pot, défoncé, on va le défoncer. Du canon. Il y a une bonne crasseur là autour d'un bronto, une bonne crasseur.
Ah non mais les bébés, arrêtez de... Putain mais maintenant tous les bébés commencent à sentir. On nous en direct, y'en a... Y'en a, on n'y est pas. À fond ? Pas un T-Rex, ça c'est là ? À qui c'est ça, ça ? C'est la maladie, t'es à poil avec du T-Rex ? Non, mais c'est toi. Le seul qu'on voit en plein jour, c'est la faute. Hein ? Hein ? Il y a une cage ? J'ai trouvé une cage au milieu de la forêt. Pas nous ? J'ai une cage. Ah, elle est pas à nous là ? Elle est pas à nous là ? Elle est pas à nous là ? C'est un fil ? Vous voulez peut-être vous faire prisonnier ? Ils ont plus de base. Oui, ils voulaient mettre quelqu'un chez nous en cage. Grand noir. Pas que cela. Personne dedans. T'as pris ton bégo en jaune et ton bégo en vert. Non mais le bégo en vert et le bégo en jaune. C'est qui me rejoint ? Des grandes rampes pour monter sur tout pas avec des trappes pour vider les bateaux. Ah c'est marrant, j'arrive. Oui, je avec tous les artefacts sur le toit. Oui, je fais aussi un peu de viande parce que... Bon, mais non, non. Un peu de lumière là. Voici une petite balade avec les deux T-Rex pour faire un petit peu de viande. Allez, ciao, ciao, ciao.